Pépinière de la pop et du rock mondial, le Royaume-Uni ne manque pas de stars internationales de la musique. Trouvez des artistes pour se produire au concert qui suivra le couronnement de Charles III le 6 mai prochain devrait donc être une tâche aisée. Il n'est né rien. Plusieurs organisateurs des festivités s'inquiètent dans la presse britannique du nombre de refus d'artistes. Ainsi, Elton John, Adele, Harry Styles, Robbie Williams, les Spice Girls et Ed Sheeran ont ainsi dit non à Charles III. Les organisateurs travaillent contre la montre pour monter une belle programmation, mais ils font face à une série de challenges, résume ainsi une source proche du dossier dans les colonnes du Sun. Les refus sont souvent dus à des problèmes de calendrier. Elton John était en haut de la liste de Charles III, mais il sera en pleine tournée européenne, avec un concert en Allemagne le vendredi précédent, et un autre très vite après le concert de Windsor, précise ainsi la source du Sun. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi couronnement de Charles III, quels artistes se produiront au concert ? Même explication en ce qui concerne Harry Styles, la star du boys band britannique One Direction, dont les albums solo ont conquis la jeunesse du monde entier. L'artiste de 29 ans est bloqué par sa tournée et incapable de réunir les membres de son groupe, qui seront en période de repos plus que mérité au moment du concert du couronnement, selon la même source. Ces problèmes de calendrier interrogent cependant sur l'organisation. Mais aussi sur l'aura de Charles III, pour lequel les artistes ne semblent pas prêts à bousculer leur emploi du temps. Certains noms ont cependant d'ores et déjà été confirmés. Parmi les artistes qui se produiront à la suite du couronnement de Charles III, on trouve notamment la star Lionel Richie. Mais aussi Gary Barlow, Mark Owen et Howard Donald. Trois noms qui vous disent peut-être quelque chose, il s'agit des trois acolytes de Robbie Williams dans le groupe Take That. Le boys band de stars des années 1990 devait se reformer à l'occasion du couronnement. Mais l'absence confirmée Robbie Williams semble mettre à mal ce projet. Crédit photo, agence.